Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul dit au peuple Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville, où, à l'école de Gamaliel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes, et les jetais en prison le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem, ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, soudain vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombai sur le sol, et j'entendis une voix me dire. Saul, Saul, pourquoi me persécuter Et moi je répondis, Qui es-tu Seigneur, je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis, Que dois-je faire Seigneur Le Seigneur me répondit, Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Anani, un homme religieux selon la loi, à qui tous les juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer près de moi et me dit Saul, mon frère, retrouve la vue. Et moi, au même instant, je retrouvais la vue, et je le vis. Il me dit encore le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder Lève-toi et reçois le baptême, sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Parole du Seigneur.